Salam alaikum, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Tonton Hamzarus. Et oui, je me revoilà, mais cette fois-ci pas sur Minecraft. Comme vous pouvez le constater, j'ai sorti le t-shirt kaki, tout simplement parce que j'ai téléchargé le jeu gratuitement disponible sur PlayStation Plus, Tiny Troopers. Et oui, et ce jeu m'a beaucoup plu, et je vous le conseille vivement de le télécharger. Le seul hic, c'est qu'on peut pas jouer en multijoueur, ça c'est le seul problème. Mais sinon, il y a à peu près 58 niveaux, et par niveau, il y a encore 3 types d'opérations, facile, moyen et vétéran, un truc comme ça, je m'en rappelle plus, on verra ça ensemble. Donc je vais vous proposer une série de vidéos sur ce jeu-là. Ça sera des vidéos courtes parce que les missions sont relativement rapides, entre 5 et 7 minutes, tant mieux, comme ça vous n'allez pas me subir pendant une heure ou une heure et demie. Pourquoi ce jeu? Parce qu'il est, sympa, franchement il est sympa, il est bien fait. C'est un mélange entre les Worms et South Park. Pourquoi les Worms? Parce que exactement la même chose quand le soldat décède, et ben il est là. Moi je le fais bien, je sais. Donc il y a des bruitages comme ça quand les soldats décèdent. Pourquoi South Park? Parce que, comme vous pouvez le constater en arrière-plan, ils ont des têtes de South Park, tout simplement. Sinon, quoi dire d'autre? Eh ben, il y a plusieurs styles de missions. On peut donc défouailler, c'est-à-dire tuer l'ennemi, survivre aux assauts des ennemis, délivrer des soldats prisonniers, défendre des journalistes, détruire des satellites, des roquettes, un missile. Bon, bref, il y a beaucoup de cartes. Donc, comme je vous ai dit, il y a 58 niveaux. Donc, il n'y a rien à dire. À fur et à mesure, il va falloir développer son armement et ses personnes, quoi, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, quoi. Et le seul hic aussi, c'est que il n'y a pas de musique pendant le jeu, quoi. En fait, on n'entend que seulement les balles tirées, les explosions. C'est le seul bémol. Sinon, graphiquement, bah, c'est de la pure 3D cartoon. Donc j'ai bien aimé. Et simple et efficace, comme on dit. Et quoi dire de d'autre? Eh ben, écoutez, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de se retrouver dans une prochaine vidéo pour vous montrer ce jeu avec impatience. Donc, je vous remercie à tous. Donc, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 1 de la série Tiny Troopers. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Donc, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir les amis et prenez soin de vous et de vos familles. Allez, ciao.